Relire le monde. Les États et empires du Soleil, de Cyrano de Bergerac. Cette terre est semblable à des flocons de neige embrasés tant elle est lumineuse. Cependant, c'est une chose assez incroyable que je n'ai jamais su comprendre depuis que ma boîte tomba, si je montais ou si je descendis au soleil. Il me souvient seulement quand j'y fus arrivé que je marchais légèrement dessus. Je ne touchais le plancher que d'un poing et je roulais souvent comme une boule sans que je me trouvasse incommodé de cheminer avec la tête, non plus qu'avec les pieds. Encore que j'eusse quelquefois les jambes vers le ciel et les épaules contre terre, je me sentais dans cette posture aussi naturellement située que si j'eusse eu les jambes contre terre et les épaules vers le ciel. Sur quelque endroit de mon corps que je me plantasse, je m'y trouvais debout. Je connus par là que le soleil est un monde qui n'a point de centre, et que, comme j'étais bien loin hors de la sphère active du nôtre, et de tous ceux que j'avais rencontrés, il était par conséquent impossible que je pesasse encore, puisque la pesanteur n'est qu'une attraction du centre dans la sphère de son activité.